Hop, je me mets juste devant. Voilà, il y a des ogres, il y a tout ça. Alors, il me faut Chandragiro déjà pour commencer. Pas Chandragiro, il me faut Kara. Kara, elle est là. Ok, Kara, alors, Kara, tu vas. Bouclier. Tac. Un peu, il y a que elle qui peut se mettre le bouclier. Oui, ok. Voilà. Elle va mettre le bouclier sur tout le monde. Et ensuite, la résistance. Voilà. C'est juste de la préparation, mais c'est pour éviter de mauvaises surprises. Il y a deux objets qui donnent bonus. Oui, bon, c'est pas grave. Et voilà, oui. C'est parfait. Dans ce cas, moi, je fais une save, nouvelle save d'ailleurs. Et bagarre. Ouais, c'était qui au gobelin? Bah, j'ai dit gobelin, allez. Chandra, les gobelins. Oh putain, toi, ce gobelin. Bah, les gobelins qui sont résistants, comment ça se fait là? Hop là, le boost d'attaque. Allez, deuxième ogre. J'aimerais bien que Kara se bouge. Ah, bah voilà. Et ça s'est beaucoup mieux passé. Un anneau d'argent. Ça c'est bon, ça c'est bon. Là il y a R, là il y a R, il y a R. Et donc normalement de ce côté il y a plus rien. Du coup, le fort, let's go. Oh, allez, c'est sûrement là où il y a le magicien d'ailleurs. Alors, fort de la rivière, étage supérieur. Ah ah. Tiens, 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 ça veut dire que je vais avoir des petites surprises, je sens. Ça n'a pas l'air très grand, mais... j'aime pas bien ça. L'inscription ici repose Gemel, hôte du fort de la rivière. Jusqu'à sa fin, Salam restera fort dans son bouclier vaillant. Seul un être de valeur égale pourra brandir son spectre. Cette personne devait avoir une volonté incroyable pour commander tant de soldats, mais ça n'a pas impressionné ceux qui ont pillé son tombeau. Je ne vois ni sceptre, ni bouclier, ni épée à ses côtés. Ah, petit peu triste ça. Ah, c'est fermé. C'est fermé. C'est fermé crocheté ou fermé fermé. C'est fermé crocheté. Attends. Il y a des pièges. Il y a des pièges, je suis sûr et certain de cela. 100%, il y a des pièges et même des salles. Donc on va fouiller un petit peu les salles. Qu'avons-nous ici? On a des gobelins. Ouh, Capitaine Gobelin et Ogre. Tu vas regretter de nous avoir croisé. Et que tout le monde attaque. Tu vas regretter de nous avoir.
Il y a beaucoup d'objets ici, non? Si, il y a quand même beaucoup d'objets. Allez, voilà. Masse de brèche. Parfait. Pas de coffre, pas de tonneau. Que dalle, que pouic. Ah, que chi. Si, il y a un tout petit. Il y a ceci. Trousse de premier secours 10. Oh. Eh bien, ce... Oh, oula, attends, je... Oh, il était caché. Il était caché, le petit saligo. Petit coffre. Échec. Ah oui, celui-là, il va être compliqué. C'est bon. Le bâton. Très bien. Suivez-moi. D'accord, je m'en charge. Ouh, ah. Attendez, on va parler. Du tac. Ce fort contient une statue, mais je doute que Galu, le mage ocre, te reste en approche de la. Je suis ravi d'armer troupes et moi, nous avons assez de ce mage ogre. Nous en... Il était dit que le résultat était fait car son frère était mort. Ah bah tiens, c'est exactement ce que je pensais. Il y a rivalité entre les deux clans. Il est à la recherche d'une statue cachée dans les étages inférieurs dans un des étages inférieurs du fort et nous a utilisé pour accéder. Pour l'instant, il cherche à ouvrir une porte. Non, ni de pillage ni richesse, mais seulement poussière et silence. Ah. De nombreux gobelins sont encore dans le fort et je pourrais leur donner des pâtés. Ah, on t'entend dans la cour du fort. Si tu ressors avec la tête de Gelu, je te laisserai la vie, sauf dans le cas contraire, tu paieras. Ah non, 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 non. Attends, ça veut dire que. Attends. Ultak. Le chef Ultak de tuer son rival, un mage nommé Gelu. Gelu, c'est celui que je viens de voir. Rayleigh n'a rien vous a demandé de tuer Gelu. Ah non, Gelu. Non, donc c'est bon. Oui, donc non, faut que je tue Gelu. Donc c'est. Faut que je tue le même. Il faut que je tue le même. Très bien. Il faut que je tue le même. Alors, si tu ressors avec la tête de Gelu, je te laisse le ravisseau. Ah, ok. Donc, oui, parfait. Non, donc c'est bon. C'est tout à fait. C'est ce que je voulais. Oui, il y a un piège. C'est bon, j'ai compris. Oula. Tu vas regretter de nous avoir. Donc, il faut que je tue Gelu de toute façon. Gelu et Gelu. Voilà. Très bien. Il y a que des gobelins ici. Moi je vais finir les gobelins de cette salle en fait. Ouais, Chandra veut finir les gobelins. Donc oula. Gobelins et gobelins qui ont des sorts. Oh bah. Ça finit sur attaque formeuse et en critique. Ah oui, il a mis du poison, oui, évidemment. Soyez pas bloqués dans les caisses, les gars, par contre. Suivez-moi. Entendu. Petite popo. Donc ça, c'est l'escalier qui mène en dessous. Très bien. Est-ce que tout le monde est là, s'il vous plaît? Merci.
Chaman, gobelin, gobelin, chaman, chaman, gobelin. Il y a beaucoup de magie par contre, et j'aime pas trop la magie. La magie est très très forte. Tu vas regretter de nous avoir croisés. C'est une blague. Qu'est-ce qu'elle fait, cette débile? Putain, cette débile. Non mais cette débile. Je sais pas ce qu'elle branle. Qu'est-ce qu'elle branle, l'IA, dans sa vie, en fait? Non? Putain, mais vous allez combattre, là? Oh non, mais ils sont cons. L'IA la plus débile que je connaisse. Ouais, Chandra, elle est morte parce que elle le mérite, en fait. Littéralement. Je sais pas ce que... Pourquoi? Khalgar, il est au bout de sa vie parce que il est, je sais pas quoi. Il est hébété, voilà, il est juste débile. En fait, je peux perdre un combat parce que l'IA c'est pas ce qu'elle fait. Non mais franchement. Franchement. Suivez-moi. Et là je peux pas parce qu'il y a un ennemi. Il y a un seul ennemi, il est là, il bougera pas. Bravo les mecs. Hein. Essence de feu. Corne. Ça fait déjà deux fois que ça me fait ça. Non mais au pire. Hein. Ça ne durera pas. Voilà, comme ça c'est fait. J'attire les derniers. Quel gars lui toujours pas bouger parce qu'il est cool. Qui c'est qu'il y a d'autre? Elle bouge pas parce qu'elle est con. Et Chandra, bah, je sais pas, elle a la distance et elle est con aussi. C'est bon? Genre, y'a plus personne là, je peux me reposer maintenant. Non, vous allez me suivre maintenant en fait. Vous savez quoi? Vous allez protégez-moi. Protéger, voilà. Protéger, suivez-moi. Les ennemis sont proches, sans deck. Voilà, ça c'est bien. Ça, c'est la sortie, donc échec, bah yes, 1-1. Merci, donc là, c'est... Ah bah, il y en avait encore. Pourquoi vous faites le tour, les mecs? Pourquoi les deux débiles, là, elles sont à distance? Je sais bien qu'elles sont magiciens, mais quand même, faut pas exagérer. Voilà. Ah bah le coffre, parfait, hein. 71, il résiste. Ah bah non, il a... Chandra. Chandra, tu bouges plus. Chandra, tu bouges plus, t'es compris? Super, un objet brisé, merci Kara. Chandra, elle bouge plus. Ça ne durera pas. Deux ogres. Et bah c'est parfait ça, c'est exactement ce que je veux tout le temps maintenant. Quelques piécettes. Oh, râtelier d'armes, qu'est-ce que je peux prendre ici? Une épée courte. Normalement j'en ai terminé ici, il faudrait juste que je descende.
Oui, il y a des pièges. Allez, vous savez quoi, je vais me prendre tous les pièges, voilà. Hop, j'ai pris tous les pièges. Et là, je reviens où il y avait les gobelins. Parfait. Et je peux descendre désormais. Cependant, je vais comme d'hab faire une petite coupe. Et normalement, il reste deux statues. Il y en a une ici, il y en a une sûrement pas très loin dans la zone. Ça va le faire. Hop, allez, la descente. Vers le premier étage. Attends, faut descendre et ensuite remonter. C'est bizarre. Ils sont mes potes, et ils sont là. Oula, oula là là là, gobelin, gobelin, gobelin et ogre. Bon, ça va. Ah, je suis ralenti. Bon, non, mais personnage, s'il te plaît, merci. Il est hébété, et lui il a peur. Yes. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime et qu'il garde de crever. Tu vas regretter de nous... Bon, ça va le faire. Ça va le faire quand même. En termes d'XP, ça avance pas mal aussi. Donc, Chandra, arrête de courir. Arrête de courir pour voir. Merci. Bon. Je peux le faire. J'espérais un peu mieux quand même. Il y a des ennemis proches, ça veut dire qu'il faut que je remonte. Yes. J'aime beaucoup cette épée qui se balade toute seule. Ça me fait plus rire qu'autre chose. Et on les retourne. Non, faut descendre. Allez, faut descendre, merci. Ouais, alors Chandra, elle en fait toujours un petit peu à sa tête. Je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une statue. Une statue, oui. Oui, il y a un piège. Bien sûr qu'il y a un piège. Là, on me la fait pas. Là, on ne me la fait pas. Bien. Ah, je le savais. Je le savais. Échec. À 25 encore. Mais 25, c'est quand je me rate de beaucoup, ça. Première porte. Enfin libre, qui êtes-vous? Mon truc c'est de briser. Je suis Briscoe qui est même ce. D'accord. Avant que je me puisse le briser. Bon bah vas-y. Vas-y frère. Vas-y frère. Ah, bah tiens, vas-y. Ah bah ça. Ok, j'ai un pote. J'ai un pote avec moi donc. S'il meurt, je m'en fiche, hein. On est d'accord là-dessus. On est 100% d'accord là-dessus, hein. Chandra Giro, Madame Giro, je sais que votre rôle de tank vous indique d'attaquer. Je vous invite à attaquer, genre. Oui. Allez, il faut attaquer. Il faut attaquer. Voilà, bah super. Bah. Hop, Chandra Giro. Il y a un magicien quelque part. Toi. Ouais, Briscoe, il va s'en occuper, hein. Voilà. Allez, occupez-vous lui maintenant. Briscoe, il s'amuse bien. Hein. Ah, mais le chef ogre, j'avais pas vu qu'il était plus grand. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Ça va toi? Ça va, lui il va bien. Grande hache en adamantium. What the fuck? Bouclier du maître. Mais ça va se rendre super cher.
Oui, donc il m'a, en fait, il m'attend à chaque porte. Il va m'attendre à chaque porte, en fait, le frère. Frère, tu vas m'attendre à chaque porte. En fait, c'est ça le truc. Verrouillé. Ah bah oui. Oui. Attends. Hop. Et hop. Voilà. Et une ceinture. Encore. Je peux pas me reposer encore parce que trop d'ennemis. Oh, c'est n'importe. Ah bah il a disparu. Bon. Bah Jean-Mi il a disparu. Jean-Mi Briscoe t'as disparu. Très bien. Ah mais en fait il faut que j'aille super loin. Mais c'est à partir de combien de temps? Ah c'est ici, ok. Donc il faut vraiment, il y a des ennemis qui doivent être soit par là, soit par là. À mon avis les ennemis sont par là. Je sais pas où il est Briscoe, mais il a décidé de plus venir. Bon bah tant pis. Dommage, c'était un pote de bagarre qui était cool. Je ne regrette pas. Rip, petit Briscoe. Il y a encore une, deux portes, peut-être trois portes. Je suis pas sûr. Ah bah il a cassé. Ah bah il est mort. Attends, si je me dé. Je peux pas me déplacer. Allez. Voilà, si je peux me déplacer un coup. Alors par contre, ouais, faut que tu combattes. Pour quel gars. Putain, ouais, donc en fait, c'est parce qu'ils sont tous au niveau de la porte et que personne ne peut se battre. Voilà, parfait. Bah, désolé, Briscoe. Mais pourquoi ils cassent les portes? C'est débile. Le mec, il a juste pas le temps. Au final. Piège. Oh, piège gaz moyen. Ah, c'est moyen. Donc là, ça va être. Réussite. Ça va. Là, il y a une porte qui m'amène par là, mais je pense que j'irai plus tard. Ah non, je peux y aller maintenant, mais j'ai déjà fait cette porte là. Qu'est-ce qu'on a là? On a. Rien du tout. On a Sun Pair. On a un coffre. Avec un piège, mais facile. Ah, je suis. Suivez-moi. Ok, quel gars? Tu prends le coffre, s'il te plaît. Putain, tu prends le coffre. Voilà. Oui. Et le temps que. Bon. On va attendre que les BT partent. Voilà. Et on va aller dans cette salle ici. Et ensuite, on monte. On va faire le boss. Et activer la quatrième statue. Et ramener la tête pour terminer les quêtes, bien sûr. Faut m'expliquer pourquoi elles sont si lentes. Oh, l'IA au niveau des portes et des. Putain, c'est un défi. Ah bah il y a juste une prison, salle, entrepôt. Ok, je sais pas trop ce que c'est. Eh ben oui, du coup premier étage. Vu qu'il faut descendre par là, je ne comprends pas pourquoi. Je n'ai pas le principe. Je ne sais pas. Mais pourquoi pas. Dernier étage et une salle, ok. Ouh, ça c'est la bagarre. Ça c'est de la bagarre. Alors attends. Ah mais il y a des portes verrouillées. Attends. On me la fait pas. S'il y a un piège comme ça. S'il y a genre un méga piège vénère comme ça. Ah bah. Gélu demande-nous. Ah, ok. Livre des fléaux. Bah, je prends tout. Ok, d'accord. Oh, ça va être. Ça va être sympa, ça. Donc, il faut vraiment que je choisisse mon camp.
J'ai deux mecs qui veulent se battre contre Gelu, donc je pense que 2 contre 1. Le choix va être rapidement fait, messieurs. Au final, on va pas se mentir. Une salle, très bien. Oh, attends, 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 la caisse. Hop. Pas de coffre. Ah, une étagère. Bon. Parchemin, ça c'est une convocation de créature. Bon, on va parler à... je sais pas, Gelu, ou alors... ah, merde. A vous tous, vous n'arrivez pas à trouver à faire disparaître l'enchantement, le sort est affaibli, mais il est toujours actif. Je pense qu'avec 7 ou 8 autres sacrifices, on devrait arriver à 10. En temps normal, j'ai les autres sacrifices. Ah, c'est donc lui. Bonjour, messieurs. Bon. Bon, bon, bon. Je vois de quoi il est question désormais. Je vois de quoi il est question. Très bien. Un de tous et trouve votre présence signifie que vous avez trouvé son maître, je suis Gelu, je suis Brandy Black. Je vais le faire. Attends. Je cherche une statue. Nos objectifs sont locaux avec ses voix. Et renferme l'élection. Attendez. Tous les efforts pour avoir son importance décrite dans le monde, mais aucune ne révèle sa réelle utilité. Qu'est-ce qui vous empêche d'accéder à la statue? Une malédiction qui a été jetée à cette porte et tuée jusqu'ici tout gobelin qui a essayé de le voir. Toutefois, elle était affaiblie à mon avis, encore une dizaine de gobelins, elle sera. Moi, laissez-vous l'utiliser, je trouve moyen d'y accéder. Utak, le chef orc, non seulement. Je tuerai Utak. Oh non. Attendez pas à ce que Raylor ait ce genre d'ambition. Ah, bagarre. 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 La bagarre. La méga bagarre. Alors là, c'est la méga bagarre. Claire. Il est nul. Il est nul. Il est nul en fait. Il est nul Jean-Mi en fait. Ah, il s'est mis invisible. Il s'est mis invisible, ok. Il est pas si nul que ça. Ok, il est pas si nul que ça. Je retire ce que j'ai dit. Il y a des magiciens. Oh la vache, il y a des magiciens de partout. Oh la vache, il y a des magiciens de partout. Allez! Oh non, je suis mort. Quel gars? Chaman. Oh merde, tout le monde est mort. Genre tous. Oh merde. Ah, c'est con ça. Puis alors elle, je la maîtrise pas du tout. Ah non, lui il s'est remis des PV. Aïe aïe aïe. Elle a pas de la magie elle. Si, elle a de la magie, il le sort. Aïe aïe aïe. Je peux pas tout apprendre. Elle a pas un sort d'attaque. Ouais, je vais recommencer. À mon avis, je vais recommencer. Je vais recommencer. On va charger la partie. On va charger la partie, on va essayer une autre méthode. Parce que là, je me fais surtout défoncer, non pas par tous les ogres, mais par les mages, les chamans, etc. Donc on va la refaire autrement. Déjà, Kara, ma chère Kara. Ma chère Kara, très chère. Voilà. Obi-Dai, there's you are, my cat.
Chandra n'a rien reçu. Voilà. Je vais essayer cette méthode. Suivez-moi. Et ensuite, je ferai la chaîne d'Aurore. Alors, je cherche une statue de purification. Alors, on fait une bénédiction. Intimidation. Hop là. Chaîne. Utilisez la chaîne. Allez, utilise la chaîne s'il te plaît. Et ensuite je m'occupe des magiciens. Parfait. Là, faut que je m'occupe des chamans. Faut que je prenne tous les chamans. La magie est vraiment trop compliquée. Il y a déjà une personne qui est morte. Kara, t'es nul. Il reste un gobelin quelque part. Chaman gobelin. Elle est où? Ok, c'est bon. Oh, bah ça se passe beaucoup mieux d'un seul coup. Parfait. On est juste trop fort. Le dernier gobelin. Et comme quoi, tous les buffs, ça fonctionne. Bien. Parfait. Pas mieux, pas plus, pas moins. Hop. Du coup, je prends l'épée. Alors, attends. L'épée. Ici. Tout le reste. Sceptre de maître, tiens, pour toi. Je suis trop chargé pour bouger. Yes, bah oui. Comment ça se fait que j'ai trop de merde? Oh mince. Ah ouais. Ah shit. Ah oui, d'accord. Oh là 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 là, je peux plus rien porter. Je suis à la limite d'exploser. Juste oui. Checker pour toi. Repos. Elle, elle a un meilleur bâton du coup. 1d6 x 2. Ouais, et 1d6 x 2. Ouais, sauf que derrière ça fait beaucoup beaucoup plus de choses. J'ai plus de place pour mon merdier, au secours. Crâne, bah elle va le prendre. Oui. Parfait. Et bah écoute, je pense que ce que je vais devoir faire maintenant, alors faut que j'aille là-bas, non petit, là-bas dans cette salle, dans cet endroit vide, et j'aurai accompli deux quêtes en plus. Tac, et ça. Bon, je me charge de lui. Oui, il y a évidemment un gobelin. Ah, la porte elle est là. Très bien, très bien, très bien. Bon, il y aura des gobelins sur un certain retour. Sauf si je prends cette porte. Alors. Je peux plus rien porter. Je ne peux vraiment plus rien porter. Alors, voyons voir cette porte. Seul le maître du fort peut passer. Je m'éloigne. Sauvegarder. Je vais sauvegarder, puis je vais tenter d'ouvrir la porte. Le maître du fort, le maître du fort. Qui est le maître du fort? Ah si, je me souviens, c'était la statue qu'on a vue. Aïe. Ouais. Tentez à nouveau. S'éloigner. Et s'il y a moyen au fur et à mesure d'ouvrir la porte que ça me... que ça s'ouvre, moi je prends, hein. Je ne sais pas combien de fois je vais devoir le faire. Ouais. Je récupérais tout doucement mes points de vie. C'est vraiment la pire méthode, quand même, quand on y pense. Mais il faut, il y a peut-être un indice. Qu'est-ce qui pourrait faire dire à la porte que je suis digne de passer? Là, je vais remonter, en tous les cas. Je vais remonter, puis je vais voir ce qui se passe et ce qui se dit. Il y avait peut-être une autre salle. Oh, bah je remonte là, ok. Ah, mais attends, c'est le sarcophage ici. «
Salam reste à forte et son bouclier vaillant. Attends une minute. Bouclier du maître. Oh, attends une seconde. Ah. J'ai compris. J'ai compris. Je l'ai. Est-ce qu'il faut que je m'équipe? Il faut que je m'équipe avec le bouclier. C'est peut-être pour ça. Si j'y vais avec Kelgar équipé du bouclier, est-ce que ça marche? À mon avis, ça doit marcher. Ou alors il faut que j'aille récupérer un autre. Faut que je m'équipe d'autre chose. J'espère que c'est ça cependant. Oui. Ah. Aïe. Je le savais. Votre montée est forte malgré son. Non. Non, c'était le fou. Gain d'influence. Ok. Ouais. Quel gars, bien joué. Bien joué, bien joué. Trop fort. Je te remets ta hache. Et Non. Oui. Voilà. Dans les temps anciens, le gardien fut créé afin de protéger Ilfarn. Si le temps est venu d'abattre notre instrument ultime, vous serez l'un des agents de sa destruction. Prenez cette bénédiction de protection, qu'elle vous protège contre les forces de l'ombre. La quatrième partie du rituel est accomplie. Chaque partie du rituel vous prépare pour l'épreuve qui vous attend. L'ennemi revêt maintes formes. Mais toutes appartiennent à l'ombre. Souvenez-vous que lorsque vous invoquez le pouvoir du rituel, vous êtes hors d'atteinte de ces attaques. Gardez cette protection au plus près de vous en ces lieux obscurs. Rituel de purification. Lorsque vous y croyez, votre groupe est protégé des dégâts de froid et d'énergie négative. Oh, ça c'est très utile aussi. J'ai donc deux attaques qui améliorent mes dégâts. Et un que j'ai pour mes dégâts contre les morts vivants. Résistance, enfin annulation des effets de niveau et annulation des dégâts de froid et dégâts négatifs. C'est pas mal. Bon, on n'a pas terminé, il me manque encore une statue et c'est problématique. Mais je vais déjà dire aux deux gens que bah j'ai tué leur pote là, qui était relativement simple en vérité. Du coup, je vais quand même faire une petite save, histoire d'être sûr. Et on va voir.